Trois autres gars du braquet. On a vu Franck tout à l'heure. Bah, là maintenant c'est Stéphane, c'est Seb et c'est Jean-Charles. Ils viennent de courir en Détroit. Racontez-nous un peu votre course, les gars. Alors moi j'allais neutraliser. Allez, allez. Course neutralisée, on a essayé de partir à plusieurs reprises. On a roulé sur les échappées pour finir sur un final au sprint. Ouais. Et que l'on Stéphane, c'est du bon noir. On n'a pas réussi à trouver la faille. Ouais. On a tout donné, on a essayé, on a tenté notre carte, aussi bien dans le vent que sur le haut de la bosse, où là ça faisait très mal. Et malheureusement, derrière, c'est toujours mieux. C'était pas assez sélectif comme parcours, non ? Il n'y avait pas trop de vent, non ? La côte pas assez longue. Il y avait pas assez longue pas trop de vent. Pas trop de vent. Non, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, j'ai dit qu'il n'y en avait pas trop. Ouais. Non, donc finalement, vous êtes tous les trois dans le peloton. Je pense que c'est toi, Jean-Charles, qui finis le mieux classé. Non, tu finis combien? Je fais 5e et encore à 50 mètres de la ligne, je suis pris dans la boîte. Et un peu je mets un coup de coude à droite, un coup de coude à gauche et je réussis à passer, mais bon. 5e. Bon, bah, c'est dommage alors. Freiner dans une bosse, c'est dommage. Hein. Pas de podium. Hein. On a vu que Seb avait fait le podium jeudi dernier à Corki, avec une belle course. Et puis donc, pour les autres, bah, ça sera pour la prochaine fois alors. Ouais. La saison est longue. Ouais, il reste on n'a pas laissé traîner les échappées, on a roulé quand il fallait. Il reste encore des courses. Hein. Ouais, ok, ça marche. Après, c'est le final qui a fait. Ok, bon bah alors à la prochaine les gars, et puis bonne chance pour les prochaines. Salut.